À 21 ans, il se forme à l'art dramatique dans la classe libre du cours Florent dirigé par Francis Huster, Raymond Acquaviva et François Florent. Sa première apparition à la télévision date du 20 novembre 1990 lors de la 100e émission de Ciel, Mon Mardi, émission animée par Christophe de Chavannes sur TF1. L'émission, entièrement sous contrôle, était spécialement composée d'acteurs de la Ligue d'improvisation et le thème était l'adultère. Entre 1999 et 2001, il fait partie de la grosse émission sur la chaîne Comédie, dans laquelle il réalisait notamment des improvisations avec Benjamin Rateau. Il a obtenu du succès grâce à son one-man show Givré. Philippe Lelièvre a été professeur d'improvisation théâtrale à Star Academy lors des saisons 5, 6 et 8. Il a aussi animé la matinale de la radio Énergie, le 6-9e entre 2001 et 2003 aux côtés de Bruno Guillon, Arnaud Lemort, Jonathan Lambert, Manu Payet et Henri Delorme. En 2007, il présente une suite à son one-man show intitulé « Toujours givré » à l'affiche du Théâtre des Béliers. En décembre 2010, il représente ce spectacle à la Cigale à Paris. On a aussi aperçu Philippe pendant quelques années à la télévision dans les publicités télévisées de la marque de céréales Special K, où il incarnait un mari jaloux terminant le spot avec sa phrase « Il y a quelque chose de nouveau dans sa vie ». En mai 2008, il fait partie des participants du World Uno Tour présenté par Arnaud Gidouin et Seren Prévost sur la chaîne Comédie, une parodie de poker où des comédiens comme Thierry Frémont, Arthur Juniot, Vincent Dessagna, Pascal Legitimus, Sophia Aram s'affrontent dans un tournoi d'Uno. En 2011, il coécrit, avec Marjorie Assionne, les dialogues de la comédie musicale Dracula, L'amour plus fort que la mort de Kamel Wally, comédie musicale dans laquelle il est chargé de la direction d'acteurs. En 2011, avec Seren Prévost, il écrit, réalise et interprète Dr. Cac, un programme de vulgarisation économique sur le ton de l'humour.